Alimentaire, tout ce qui est fabrication d'aliments à partir de matières premières qui peut être soit un aliment ou autre chose. Vous avez par exemple du lait et des produits laitiers, tout ce qui vient après, donc le lait, les yaourts, le beurre, le bas beurre, etc. Donc tous ces produits qui sont transformés, obtenus à part du lait, le fromage et autres. Vous avez également les produits d'origine carnée, donc vous avez la viande, vous avez les poissons. Le poisson, etc. Toutes les transformations qui permettent d'arriver à des produits dérivés provenant de cela avec l'aide des micro-organismes. Il y a également les techniques et les procédés sur lesquels, et là, vous les appliquez le plus dans, de vos visites dans les laboratoires et dans les entreprises. Il y a également les méthodes d'analyse et d'optimisation, mais également l'hygiène et la sécurité parce que où que vous soyez, la pratique que vous aurez à faire devra obéir à certaines normes qui sont régies par des normes d'hygiène et de qualité. Donc, parce que vous êtes dans les microbiologies. Alors, il y a d'autres enseignements sur la bioéconomie et la biosécurité. C'est ça qui termine les enseignements du semestre 3. Vous aurez compris que je n'ai pas parlé des enseignements communs que vous faites dans les semestres 1 et 2. Que vous partagez en commun et que vous avez tous ensemble pour toutes les formations. Alors, je vais peut-être anticiper sur une question qui va venir, peut-être les déboucher, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Je vais donner à titre d'exemple. Parmi les premières promotions, il y en a qui, juste après leur formation, ont commencé à faire leur stage, par exemple, à ICAGEL, qui est une structure, donc une entreprise de transformation de produits halieutiques. C'est-à-dire que tous les premiers qui ont fait leur stage là-bas, ils ont été recrutés là-bas. Il y en a même là-bas qui sont des chefs de service et des chefs de poste. Ils ont fait ce master en biotechnologie végétale et microbienne. Il y en a également qui ont fait leur stage au laboratoire national d'analyse. En fait, c'est le labo qui analyse les produits qu'on met sur le marché pour voir est-ce que. Donc, il y a des étudiants de ce master qui ont fait leur stage là-bas et qui sont recrutés là-bas et qui sont membres de ce laboratoire.
Alors, un autre exemple, il y a l'ISRA qui nous prend beaucoup d'étudiants, surtout le CERAS de Thiès et le CNRA de Bambay. Il y en a beaucoup qui font leur stage là-bas et beaucoup sont recrutés là-bas. Il y a même certains qui, après avoir fini leur stage à l'ISRA, ont été recrutés là-bas, qui sont devenus chercheurs et qui encadrent même des étudiants provenant de Biomed. L'année dernière, quand on a été les visiter, ils nous ont dit qu'ils sont prêts à accueillir beaucoup plus d'étudiants parce qu'eux-mêmes sont des produits de Biomed. Donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup de débouchés par rapport à ça. Alors, il y a aussi certains qui sont dans certaines ONG. L'année dernière, on a reçu un certain gay, j'ai oublié le pronom, qui était étudiant ici dans le MASE, qui après a été en Suisse et qui est revenu avec une ONG et qui dit qu'ils sont prêts également à accueillir les étudiants. Donc voici un certain nombre d'exemples sur les débouchés par rapport à ce MASE. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Et s'il y a éventuellement des questions et que je suis encore là, je pourrais répondre à ces questions. Sinon, vous connaissez mon bureau, je pourrais éventuellement répondre à certaines questions par rapport à ça. Voilà, monsieur le chef de département, merci. Merci, monsieur Kaou. J'ai également trouvé d'anciens des masters à Africa Rice qui travaillent là-bas. Donc, ils sont un peu partout quand même. Ils sont un peu partout. Bon, pour la licence semence, c'est trop proche du master semence. Donc, les questions seront les mêmes. Donc, on va donner la parole au master Afeka avec Dr. Sekouna Diatta. Je vois qu'on... Allô. Merci. Merci, cher professeur. Merci, maître. Je commencerai tout d'abord par demander à Sainte Bière. Il y en a qui ont filmé mon but. Tout simplement, quand je suis arrivé, j'ai expliqué à mon garçon qui fait le CM2 et jusqu'à présent, il n'est pas d'accord comment j'ai marqué. Parce qu'il ne m'a jamais vu jouer. Mon dernier match remonte en 2015 aux États-Unis. Voilà, c'était juste une introduction. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné quand même cette occasion de jouer avec vous. Nous allons passer très rapidement à un aperçu sur le master agroforesterie, écologie, adaptation. Vous connaissez les responsables, c'est M. Daoudangom et bien entendu moi-même. Mais avant nous, c'est dommage que ce n'est pas clair, ceux qui ne le savent pas, le premier responsable de ce master au début, en 2018-2019, c'était professeur Léonard Eli Akpou qui est décédé, et à son âme. Alors, en termes de formation, c'est pour former des cadres au niveau pour les organisations, différentes organisations, qui vont intervenir dans la gestion de nos écosystèmes. Hier, professeur Ngom nous faisait part des écosystèmes de biodiversité et de restauration. Justement, c'est un champ qui concerne ce master. Et comme vous le savez, vous avez donc des cadres qui peuvent être comme nous ici, les professeurs, ils peuvent aboutir à enseigner à l'université, ou comme chercheurs dans les organismes, ou alors dans les ONG ou organismes internationaux. L'actuelle directrice de l'environnement de Centrafrique a fait notre master. Et il y a aussi un de nos produits qui a été longtemps directeur de l'environnement à Kédougou, qu'on a ramené maintenant au niveau central. Alors, comment être admis dans ce master-là? Bien entendu, vous le savez, la plupart viennent de L3, mais il n'y a pas que vous, il y a d'autres
qui peuvent accéder, dont les formations sont similaires à L3 SVT. C'est pourquoi, dans vos promotions, vous verrez des étudiants venus de Bambé, des étudiants venus de Saint-Louis et aussi de Ziguinchor. Donc, en Master 2, il faut rappeler qu'avant Master 1, on a commencé par Master 2. Donc, les étudiants qui avaient la maîtrise, l'ancienne maîtrise, accédaient directement en M2. Mais maintenant, quand vous faites M1, vous aboutissez naturellement au M2. Comment le programme est structuré? Vous le savez très bien. Vous avez le Master 1 qui comporte les semestres 1 et 2. Mais vous avez aussi le Master 2 où vous avez le semestre 3 et le semestre 4. Ce dernier est entièrement consacré donc à votre stage. Je ne vais pas entrer en détail dans le programme que voici, mais c'est juste pour vous montrer. Je ne vois pas bien là-bas, hein. Permettez-moi de m'asseoir. Voilà, c'est structuré en unités d'enseignement, comme vous le savez. Et le premier semestre, comme vous le savez aussi, regroupe pratiquement l'ensemble des masters, pour l'essentiel du contenu. Il faut avoir les bases avant de pouvoir maintenant aller vers la spécialisation. C'est pourquoi vous allez avoir des éléments de traitement de données, vous allez avoir management de gestion et management aussi de la qualité. Et hier, au match, quelqu'un parlait de qualité et je pense que Mombi faisait partie de qualité aussi. Ensuite, il faut que vous soyez outillé en termes de communication, de rédaction scientifique, parce que vous avez un scientifique, il y a une interférence, mais aussi en anglais. En tout cas, on vous invite, au-delà des cours que vous faites dans vos masters respectifs en anglais, il faut vous perfectionner en anglais parce que le combat de demain, ou bien les clés de demain, c'est l'informatique et l'anglais. Donc, je vais passer très rapidement. En Master 2, vous avez beaucoup plus de matières qui concernent l'écologie, l'adaptation et la foresterie, l'agroforesterie particulièrement. Et nous allons passer donc au stage. Ici, j'aimerais insister sur ce côté.